Avant la naissance de leur premier enfant, Meghan Markle et le prince Harry se sont définitivement installés à Frogmore Cottage. Bien que leur tranquillité soit perturbée à cause du bruit des avions, le couple royal est bien décidé à y rester. Et pour cause, si est-il dans cette demeure qu'ils veulent voir grandir leur premier enfant, Archie. Alors, pour que leur petite famille s'y sente bien, les heureux parents ont prévu d'importants travaux dans les mois à venir. Après avoir dépensé environ 50 000 livres pour faire insonoriser leur maison, ils souhaitent l'améliorer à nouveau. Ils ont ainsi demandé un permis de construire, comme l'a rapporté le média britannique The Mirror. Le duc et la duchesse de Sussex s'apprêtent à revoir l'extérieur de la maison construite en 1801 et apporter quelques changements aux fenêtres, aux portes et aux murs. Aussi, ils souhaitent revoir l'aménagement du jardin et faire installer des éclairages. Un projet pour lequel la maman de 37 ans est très enthousiaste. Elle est très impliquée et elle souhaite que tout soit parfait pour Archie, a fait savoir une source. En s'éloignant de Kensington Palace, Meghan Markle et le prince Harry se sont autorisés un nouveau départ.